Cette fois, c'est fait. Le juge du chêne a déposé le 15 février dernier une demande de main levée de l'immunité parlementaire de Jean-Noël Guérini. Au départ, le magistrat ne voulait pas utiliser ce moyen pour éviter de porter atteinte inutilement au président du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Le juge a décidé de demander au Sénat, par l'intermédiaire des autorités de la justice, la possibilité de contraindre l'élu par la délivrance d'un mandat d'amener et le recours à la force publique pendant toute la durée des interrogatoires futurs. Cet acte est, selon le magistrat, motivé par l'attitude du sénateur PS du département. Mercredi dernier, l'élu a quitté précipitamment le bureau du magistrat instructeur. Jean-Noël Guérini n'a pas voulu répondre aux questions du juge d'instruction qui souhaitait d'abord le confronter à son directeur de cabinet à propos de la destruction d'ordinateurs quelques jours avant une perquisition au Conseil général en novembre 2009 et ensuite l'interroger sur le fond du dossier. La requête du juge sera transmise au président du Sénat qui réunira le bureau et décidera des suites à donner à la requête du magistrat marseillais. Dans le même temps, le sénateur PS et président du Conseil général des Bouches-du-Rhône se plaint de violations répétées du secret de l'instruction et soupçonne le juge Duchesne d'être à l'origine des fuites. De fait, il a déposé auprès du procureur général de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence une deuxième demande de dépaysement du dossier. La première a été rejetée en automne dernier.